Alors, je suis... Bonsoir. Nous sommes à cette date aujourd'hui du samedi 1er mai 2021. Je vous souhaite une bonne fête, n'est-ce pas, de la fête du travail, mais en même temps, un excellent mois de mai. Voilà, nous sommes... je suis Joël Crasso, responsable des barreaux communication et aussi président fondateur de l'ONG Espoir de vie. Ben, nous sommes ici en train d'aller encore à Gouli, là où il y a pratiquement nos activités, nous suivons les enfants et dans le cadre de l'éducation, d'accord. Nous voulons transformer ce village. C'est un village, n'est-ce pas, et généralement la plupart des enfants qui sont au village pensent que c'est ceux de la ville qui doit devenir des cadres. Nous disons non, il faut refuser ça, c'est une question, n'est-ce pas, de suivi. Et donc nous avons choisi ce village-là, afin que nous puissions suivre les enfants, pour leur amener, n'est-ce pas, changer de mentalité et les encadrer, d'accord. Et en même temps, les enseignants. Voilà, nous avons reçu la visite des enseignants aujourd'hui dans nos locaux. Tout ça, nous avons échangé un peu par rapport à l'éducation. Il n'y a pas que ce village, il y aura dans tout le... Comment on appelle ici? Toute la sous-préfecture de Samoué. Oui, toute la sous-préfecture de Samoué. Alors, nos activités ce soir, nous allons encore revoir Gouli, n'est-ce pas, un village qui m'a adopté, d'accord. Et nous allons, n'est-ce pas, aller parler de nos différents projets concernant notre ONG. Parce que dans ce village, nous allons créer, n'est-ce pas, des projets agro-business, d'accord, pour s'auto-financer. L'ONG que vous voyez, Espoir de vie, n'a pas besoin de forcément tendre les mains de gauche à droite. Nous allons créer ici, dans ce village, n'est-ce pas, la plantation des aubergines et tout ça, l'agro-business, voilà, les maraîchers, afin que l'ONG puisse s'auto-suffire. Heureusement que ce village nous a adopté. Nous allons encore dans ce village, encore pour, n'est-ce pas, être en contact avec... ces villageois, n'est-ce pas, qui deviennent un village dans lequel nous travaillons le plus. Voilà, donc pour vous dire, nous sommes en activité. Chaque semaine, nous travaillons afin de pouvoir participer au développement de l'Afrique, n'est-ce pas, de la Guinée, et permettre aux gens de comprendre qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Surtout, on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Donc, je vous souhaite un excellent mois de mai, et puis on est ensemble. C'est une question de Gouli.
Vous faites quoi dans le village? C'est un tailleur. Quel genre de couture faites? Je fais couture garçon. C'est ça. C'est un le métier. Donc, avec son handicap, travail. Je vais t'aider, hein? Je vais me trouver là-bas. Il n'y a pas de problème. Tu as des machines? Tu n'as pas assez de machines? Oui. Alors, tout le monde là-bas. Les enfants aujourd'hui là, hein. Je vous dis que chacun doit travailler dans le village. On est venu, on a qu'à tout développer le village. Je ne veux plus voir un paresseux ici. Je ne veux plus voir un enfant qui vaut rien. Si vous n'allez pas à l'école pour avoir un premier, on n'est plus camarades. Vous avez compris? Oui. Je ne peux pas donner 5 francs à quelqu'un qui va être dernier à l'école. Lui là, on doit être champion dans toute la Guinée. On est d'accord là? Amen, 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 amen. Allons-y. Général, ça va? Oui, ça va. Amen. Bien compris. Mettez-vous là, on va parler. Lui, jamais. Lui, jamais. Allez. C'est ça. Nous sommes là juste, c'est le week-end, c'est la fin du travail. On est venu au village, vous savez.
Elle a fait de tout le travail, là, c'est pas seulement dans le bureau, hein. Au champ et tout ça. Merci la nouvelle. Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler? Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous pouvez écouter? Ok, écoutez-moi très bien. Alors, je suis venu vous saluer. Hein? Je suis venu saluer tout le monde. Alors, écoutez-moi très bien. J'ai un message très fort pour vous. On peut traduire? Il faut qu'on traduise sans guerre. Je traduis sans guerre. Comme ça, ils vont bien percevoir mon message. J'ai un message très fort pour eux. Mon souhait, c'est-à-dire moi, je vous aime. Vous savez ça au moins? Oui. Vous savez pas ça? Oui. Très bien. C'est parce que je vous aime que je viens toujours vous saluer. C'est parce que je vous aime que je vous montre le chemin qu'il faut emprunter pour réussir. Alors, la réussite pour réussir dans la vie, pour devenir un cadre, c'est l'école. C'est aller à l'école. Il n'y a pas un enfant de la ville et puis il n'y a pas un enfant du village. Un enfant du village, s'il fréquente, il sera aussi meilleur comme celui de la ville. Si vous voulez devenir ingénieur, si vous voulez devenir ministre demain, tout passe par l'école. Tout dépend de toi. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a bien compris? Dans la vie, n'aimez pas être rien demain. Non. On parle des héros pour devenir quelqu'un demain héros. Ce sera que vous tous, vous devez aller à l'école. Et puis travailler à l'école. Désormais, on n'a plus besoin d'un enfant pour rien dans ce village. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, c'est vous qui êtes bli demain. Bli là. Bli. Ah, tout seul on est parti, on attend de partir. Mais c'est la vérité. C'est vous qui venez. Vous êtes comme des pépinières. Il faut qu'on vous, on vous entretienne. C'est que les autres ont connu, vous ne devez pas connaître ça. Vous devez envoyer la transformation dans le village. Vous devez travailler pour envoyer l'eau, le courant et tout ça ici. Il y a une seule chose, c'est l'école. Ne pense pas que celui qui a envie est mieux que toi. Non, c'est pas vrai. Je suis en voiture, non? Vous voyez ça, non? Je suis allé à l'école. C'est tout. Je sais parler. Je n'ai pas peur de m'exprimer. C'est tout. Alors, si tu ne vas pas à l'école, tu vas parler comment? Galé, la Zézi. Galé, quand tu vas là, Conakry, tout bref là. Là-bas, même c'est Soussou, on parle. C'est pour dire que là-bas, même on parle même plus, on parle plus Guerzé. Alors, quand tu vas sortir de la Guinée, tu vas parler Guerzé, non? Donc, il faut commencer à te préparer à l'école.
elle t'appelait par le pour être utile à Gli. Ben Gli. Pourquoi? Parce que c'est votre image, c'est l'image de Gli que vous faites sortir. Le manba, manba est capable à Gli n'est là. Si vous mettez ça dans la pensée, vous allez réussir à l'école. La seule chose où partez à l'école pour devenir quoi? Maintenant là, il y a la c'est la question. Tu vas à l'école pour devenir quoi? Si tu veux aller à l'école pour devenir couturier, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour le connaître. Une couturière n'a pas besoin de l'école. Quelqu'un qui n'a pas fait la couture de l'école peut devenir couturier. Quelqu'un qui allait à l'école, tu veux devenir carolin, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Mais quelqu'un qui veut devenir ingénieur, pont et chaussée, pour faire la route, lui là, il a besoin d'aller à l'école. Celui qui veut devenir enseignant, enseigner les gens, maîtresse, maître, il doit aller à l'école. Vous pouvez devenir ce que les autres sont devenus. Vous devez devenir ce que le président Conté est devenu. Alpha Condé, le président, il allait à l'école pour devenir ce qu'il est devenu. Vous comprenez? Si vous allez à l'école, vous deviendrez ce que vous voulez devenir. Il n'y a pas un autre remède que ça. Il faut aller à l'école, il faut prendre l'école au sérieux. On est d'accord avec moi? Oui. Qui est d'accord avec moi? On n'a pas besoin de se lever, on s'assoit. Alors, donc, on va vous regarder et on va vous suivre. Nous, on aimerait que demain, vous puissiez aller à l'école. Et puis, les parents d'élèves, les parents. Vous aussi, vous devez participer à l'évolution de l'enfant. L'enfant qu'on met à l'école, il faut l'aider. Il faut aider l'enfant. La balle est dans notre camp. C'est tout. Quand on dit non, on prie Dieu pour que Dieu nous donne des cadres. Vous voyez que Dieu va envoyer ça comme ça, comme les ballons qui vont descendre du ciel. Non. C'est pour ça que nous sommes là. Vous avez compris? Quand vous partez matin, le lundi, quand vous partez à l'école, dites-vous que demain, vous devez devenir quelqu'un. Alors, si tu quittes la maison, faut pas pleurer. Faut aller être ce que tu veux demain. Faut pas dire que celui qui a zéro Corée est mieux que toi. C'est pas possible. Faut pas dire que celui qui a Conakry est mieux que toi. C'est faux. Tout le monde est parti d'un point zéro pour devenir ce qu'il veut. Donc, vous là, qui êtes en train de venir. Cette génération-là, ça doit être une génération où l'école, Dieu ne reste pas en haut là-bas pour venir mettre intelligent dans la tête. C'est d'étudier et d'aller à l'école, d'aimer l'école. Celui qui n'étudie pas là, il ne va rien recevoir de moi. Pour le moment, je suis en train de vous donner les biscuits. Il y a la fin d'année. Alors, ceux qui vont réussir à l'école, c'est eux maintenant qu'on rentre dans le village qu'on va aider. Vous avez compris? Nous devons aider Gli à être transformé. Nous devons envoyer les enfants à l'école. Et nous, notre contribution, c'est de vous suivre. J'ai reçu le chef du village. J'ai reçu le directeur de l'école. J'ai reçu le parent d'élève. Pourquoi? Ils m'ont apporté leur doléance. Ce qu'ils veulent. Et nous avons pris ça en compte. Parce que notre souhait, nous regardons très loin. Nous regardons très loin, nous voyons loin. Comment aider Gli? C'est l'école que vous voyez là. Si c'est négligé, il n'aura pas de cadre.
cadre à la bouche, vous savez, nous, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Et les enseignants, la quoi le camarade, il faut en prendre soin. C'est ça qu'on est venu, nous avons apporté notre contribution. Chacun a sa part de contribution dans le développement de Gli. Allez, petit, viens ici. C'est quel os tu manges là? Samuel. Allez, Samuel, viens ici. Viens, papa. Comment vous devez donner os à un enfant comme ça? Bien, papa. Oh, non. Allez, donnez le bonbon, viens. Samuel, y'a même. Samuel, toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Samuel, là, Ça va. Ça c'est quoi? Il y a il a dit ça guérisé. Samuel. Mais c'est fini, viens de là, c'est os maintenant. Il y a du à quoi aller à Guao. C'est comment? Va aller. Tu laisses. Tu laisses ou tu continues? Il y a un Bon, donne-moi. Il y a un bébé. Il y a qu'à jeter. Il y a un bébé. Tu es sûr? Et où est-ce que tu es sûr? Il y a un bébé. Bon, va jeter. Il y a un libre pas. Et puis tu viens. Libre pas. Mon ami de troisième année, c'est pas ça? Quelle année? Troisième quoi? Alors tiens, il faut aller à l'école, hein? T'as compris? Ça c'est quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle? Il y a là-bas. Il y a le bengé. Non, je sais pas, c'est bonbon. Il y a le bengé. Voilà. Voilà, maintenant vas-y, biscuit que tu connais là. Il y a un biscuit. Il y a le riz. Tu as mangé viande à la mesure quand tu as mangé ça ici. Tu aimes beaucoup la viande. Samuel. Où sont ses parents? Samuel. Maman de Samuel. Tu as laissé gros viande à la mesure. Il aime beaucoup viande. Pourquoi c'est os là tu dis ça? C'est comme ça. Hein? C'est lui qui mangeait. Il mangeait. Il a neuf bien dans la suite. Samuel, on dit que tu manges beaucoup. Alors viens. Alors, les petits, vous voyez comme ça là. Nous connaissons Kaka Gang. Ce sont ceux qui vont développer Glio. Des partenaires habilités, toi. Vous les voyez comme ça là. Kaka ni Gang. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Mane beaucoup qu'il est de vous. Oui, parce que tout le monde est passé là. Ça va?
Quand tu donnes viande à mon ami, os. Je ne mets pas bon viande. Il a mangé tout viande. Il demandait ça. Adieu bon. Vous faites quoi dans la vie? Lui, il n'aime pas première année. Allez, lui, il veut aller vite. À l'avance. Alors, donc, il faut aller vite et venir 4 ici. T'as compris? Faut lui traduire ça en guerre. Si tu vas la premier. Elle est quoi, premier? Là, je n'ai pas fait. Yama. Très bien, allez. Merci, Pastor. Après, il est malade sur le cocon. Il y a un biscuit. Ça va, monsieur? Ça, c'est vite, hein? C'est un homme de vite. Allez-y à l'école, vous avez compris? Il y a quand même un camarade. Il y a tous nos problèmes, ça. Mais nous, là, il y a allez-y à l'école, vous avez compris? Quelle chose que nous avons reçu? Elle s'amuse avec sa petite. J'ai bleu. Monsieur, j'ai un peu pour gagner. J'ai pas bas. Donne-moi la biscuit. Alors, monsieur le ministre, bien. Le petit Ladi va devenir ministre. Quoi ton papa? Intelligent l'école. Vous êtes d'accord, non? Bien, vous gardez une apprête à Kawa Makele? Oui. Il faut aller à l'école pour réussir. Comment ça décide? T'as compris? Il faut faire premier. Vous êtes la fille, là? La petite qui était première, là? Nobody n'est pas là. Elle est à la maison. Dis dans le cabinet. Je suis que tu seras. Je lui demande est-ce qu'il est sûr qu'on peut compter sur lui. Il dit qu'il va devenir ministre des Finances.
Il y a un autre ministre qui a été fait pour vous. On peut compter sur toi. Il y a d'abord du critère. Ok. Nous serons là pour t'accompagner, Kamandri. Il y a un autre qui a été fait pour vous. Merci, Pazel. Prends le papier là, je suis là. Suivez-moi, j'ai fini là-bas. Tu as fini là-bas? J'ai fini ici. Les enfants derrière, non? Tu as tout fini? La frère, la frère, c'est la frère. Si, c'est là. Voilà, faut pas m'éroger les gars. Oui, lui là. Il
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous rencontre pour le chant là? Ce sont des parents. Alors, le bébé ne l'a pas touché. Non, parle français. Tu es madame docteur, médecin. Pourquoi tu n'as pas touché le bébé? Tu l'as gardé comme ça. Tu l'aimes bébé, pourquoi elle s'en est? Je suis que tu es médecin, hein? médecin, docteur. Hein? Donne un biscuit. Vous savez pourquoi je leur donne un paquet de biscuits? Elle est première, c'est ça, non? Il y avait une affaire qui a pas à Douro. C'est pas ça? Ok, donc tiens. Merci. Tous les premiers, on va les récompenser. Ouais. Donne le bonbon. Voilà. Comme ça, toi et ton bébé, vous allez manger ça. Elle a gardé son bébé. Comme ça, lundi, tu vas payer biscuits, gâteaux, manger. On compte sur toi. Hein. C'est toi qui as fait docteur, fais piqûre ici. Docteur, c'est toi. T'as compris? Si tu dors, tu te réveilles, il faut dire on compte sur toi pour devenir docteur. On peut acclamer madame le docteur. Alors, il faut dire que la vie part d'un rêve. Ceux qui sont devenus présidents, ils ont rêvé d'être président, ils sont devenus présidents. C'est ce qu'on appelle la vision. Si tu n'as pas la vision de ce que tu veux être demain, alors tu ne réussiras pas. Alors, elle avait devenu docteur. Nous croyons son rêve. Madame docteur. Alors, elle est dans la même famille que moi. Hélène, Longue, Lama. Voilà. Pourquoi nous les Lamas, on est fort ici. Madame docteur, ça va? Rendez-vous dans 20 ans, c'est pas ça? C'est la vérité, rendez-vous dans 20 ans. Comme ça, tu vas venir, on dispenser, on va tous voir, tu vas venir faire piqûre. À l'école, il faut travailler. Il faut plus t'amuser. De façon, tu as gardé le bébé propre. Il faut garder ton intelligence propre. Il faut dire demain, il faut que je parte à l'université. Et puis, aucun sorcier ne peut la toucher. Vous les sorciers qui mangez là, ne la touchez pas. Où? Il y a viande dans la brousse là-bas. Ne prenez pas viande là. Ah, Dieu la protège. Amen. Les sorciers aiment les bonnes choses qui vont devenir demain. On dit elle va devenir docteur. Il ne faut pas aller la voir en rêve pour la manger. Faut aller manger viande qui est là-bas. Alors, Dieu va te protéger. Hein? Amen. Un sorcier qui va vouloir te manger, il va avoir problème à Dieu. Alors, vous les filles, là, vous la regardez comme ça, voilà. Alors, ça là, c'est son bébé. On lui a donné ça là, le week-end passé. Je suis content parce que tu sais entretenir un cadeau. Elle s'est entretenue un cadeau.
Où est ton ballon, il a donné la zéro. Viens ici. Monsieur, où est le ballon? Ah! Le vrai footballeur, lui, il a pressé. Voici un Neymar qu'on entend de fabriquer dans le village. Lui, il presse le ballon. Donc, bah, vous n'avez pas comme un Neymar. Voici un ballon qu'on entend de fabriquer dans le village. Il y a un autre qui a beaucoup et qu'il y a un Neymar qui a ballon. Il y a un ballon qui a ballon. Pourquoi? Il y a un ballon qui a ballon. Il y a un ballon qui a ballon. Petit Drogba, où est le ballon? Drogba, il y a un ballon. Seul. Toi, ce que tu as pressé. Tu as joué avec qui? À l'école. Vous avez joué. Bon, ça me dit prochain d'envoyer bon ballon. Hein. Ça me dit qu'il parle de capable de ballon, n'est-ce pas, Drogba? Il faut qu'au moins il y ait un bon footballeur ici. Ouais, c'est bon aussi. Comme ça, ils vont parler de Gli à la télé. Voilà. Je m'en bats, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il est au cas mais on a la pète à bas. Alors, je vais prier pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai demandé à Dieu de vous bénir. Il est gagné, mais il est là bas. Il est là trop. C'est Dieu seul qui bénit. Alors, j'ai demandé à Dieu de vous bénir. J'ai demandé à Dieu de vous protéger. J'ai demandé à Dieu de vous aider. J'ai demandé à Dieu d'aider ce village. Vous savez, on peut partir d'un village zéro. Et puis on peut devenir le meilleur village. Si seulement nous comptons sur Dieu. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? On prend rendez-vous pour samedi prochain. Il y a des choses que je vais vous dire. Comment devenir un meilleur village? Rendez-vous est pris pour samedi prochain. Les enfants que vous voyez aujourd'hui, là, sont ceux qui vont grandir. Je ne veux pas tenir. Et nous serons demain les notables ou les cas de demain. Je ne veux pas tenir à nous faire payer là ou puis faire payer à vivre. Il ne faut pas les négliger. Il faut commencer à mettre ça dans les têtes. Il faut commencer à mettre dans les têtes. On attend beaucoup de choses d'eux. Alors je prie. Tu es l'Éternel, achève, le Dieu des Hébreux, je te prie. Que dans ce village, oui, nous te prions. Que ton règne, nous te prions pour ces enfants que tu aimes tant. Accorde la sagesse et l'intelligence à ces enfants. Bénis-les pour qu'ils soient meilleurs demain. Bénis ce village, Bli. Et qu'on n'en compte pas de Bli dans toute la Guinée et dans le monde entier. Que les meilleures choses sortent de Bli. Alors, les gens demandaient, est-ce que peut venir quelque chose de bon à Nazareth? Oui. Parce que souvent, par moments, des choses où les gens pensent qu'il ne peut pas sortir de bonnes choses là-bas, c'est là que toi, tu opères ton miracle. Et que le Bli soit de bonnes choses. Et que le village de Bli soit développé. Amen. Et que la maladie se loigne. Toutes sortes d'épidémies se loigne. Ceux qui sont à l'école, en ville, fassent d'eux des meilleurs élèves. Tous ceux qui travaillent en ville, permet qu'ils puissent avoir plus d'argent, qu'ils soient les meilleurs. Bénis le chef du village, les notables. Bénis ce village, tout le monde, sous ta protection. Merci, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Voilà, que Dieu protège lui. Le véritable Dieu protège ce village. Et que des bruits sortent de bonnes choses. Amen. Amen. Très bien. Tu regardes trop mon argent. Ça va, monsieur?